Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville, où j'ai toujours mon petit parasite avec moi. Bonjour, je suis le petit parasite Zygote. Vous aussi, grattez-vous grâce à moi. Ne précisons pas où. Partout. Ah, pardon. Voilà, on a quand même eu la précision. Donc bien, entre les deux épisodes, on a un tout petit peu laissé tourner le jeu, un peu par inadvertance. Oui, mais comme ça, la ville est propre. Voilà. Il n'y a plus de saloperies à traîner au beau milieu des rues. Là, bon, si dans les chambres, c'est toujours le bordel. Si on regarde les grands comme ça, c'est très bien dans les chambres. Voilà, exactement. Il n'y a plus de boue. Si on regarde comme ça, il y a des gens là, il y a Anastat qui s'est un peu fait avoir sur la boue. Et Fendrel aussi. Ah ben, je me lève de quel côté ce matin? Dans la boue, dans la boue. Mais la boue, c'est bon, mangez-en. Ça fera gratter un peu partout. On va récolter un peu de cailloux. Parce que le caillou... La boue, c'est bien, le caillou, c'est mieux. Voilà. Et une fois qu'on va avoir récolté du caillou, on va faire un petit pont. Est-ce qu'on peut faire un petit pont de bois? Parce que ça serait très drôle. Bah, la boue, on en a à revendre. On pourrait boucher peut-être le lac avec la boue. Oui, on va boucher. Ah, on pourrait faire un petit pont de bois. Ben, je vais faire un pont de pierre, juste pour faire ça. Zut, je fais n'importe quoi en plus. On va ponter par ici. Ah, je peux pas placer plusieurs fois un pont. Ah si. Hop, on va faire un petit virage dans le pont. C'est vraiment histoire de les ennuyer un peu. C'est ça, parce qu'un pont avec un virage, c'est cool. Normalement, il doit y avoir de la pierre quelque part. Ah bah là, il y en a un peu ici. Il doit y en avoir. Une fois qu'on a retiré toute la boue, il reste de la pierre. Là, c'est très bien, une fois qu'ils vont avoir miné tout ça. Mais toi, ils sont bien avec le bruit qu'ils font avec leurs mains. Je trouve qu'ils minent quand même super bien en tapant sur des cailloux. Parce que bon, c'est quand même pas super facile de taper sur un caillou avec tes mains pour le transformer en pierre. Ouais, mais ils ont de la corne aux mains maintenant. Hein. Avec ouais, ce qu'on leur préfère. Avec le temps depuis qu'ils font des trucs, c'est même plus de la porter corne de la boue. Porter de la boue, ça renforce les mains. Ouais, ça renforce tout court. ça donne de l'esprit. Voilà. Ah, bon, ils ont posé les petits bouts de pont n'importe où. Ah, oui. C'est quand ils veulent pour les emmener. Super, en fait, ils construisent un pont dans le sous-sol. Ça, c'est parce que j'avais cru lire qu'il fallait faire le pont un bloc par bloc et attendre que le premier bloc soit construit. Ah, parce qu'apparemment, ils n'ont pas accès à l'autre, je crois. C'est... Oui, et pour peu c'est que... Les ordres s'annulent, ouais. Ouais, effectivement. Ou alors, deuxième solution, la maçonnerie est trop haute pour tes petits vitoyens, et donc ils ont besoin d'une marche pour accéder aux outils qui sont sur la maçonnerie. Ils sont juste trop nuls, en fait. Je vais pas leur dire ça en face, parce que bon, hein... Ah non, ils sont équipés maintenant, donc tu vas te faire démonter, là. Ils pourraient me faire mal. Puis attention, ils sont quand même capables de casser de la pierre à main nue, donc... Ouais, effectivement, je vais quand même éviter de leur parler trop mal en face. Ou alors attends qu'ils crèvent de faim. Ouais, aussi, quand ils seront bien quand ils auront bien mal tout ça, j'irai les voir, je leur fais ah, qu'est-ce que alors tu fais moi le malin toi, hein. Hop. En fait, le pont prend 30 ans à se construire. Ça doit pas être pratique de porter une dalle en pierre avec une épée dans l'autre main quand même. Ils ont pas d'épée, ils ont des piques. Ah, des piques. Ils ont des piques et des fléaux. Parce que j'ai fait des marteaux de maçonnerie pour qu'ils tapent avec, puisque maintenant j'ai vu que dans les armes en pierre, tu peux faire ici des marteaux de maçonnerie. Ah, et d'accord. J'ai construit des bancs de maçonnerie avec. Ah, mais j'avais même pas vu qu'on pouvait faire des armes en pierre. Ah bah si, tu peux faire des armes en bois, je me suis dit que c'était trop nul, donc j'en ai pas fait. Alors, en bois, ouais, c'est pas... Tout le monde commence par les armes en bois, mais en pierre, jamais remarqué. Bah non, moi je commence toujours avec les armes en fer. Tu peux faire des armes en autre aussi. En spider it, en sneaker it, en hobgoblin it, en goblin it, en zombie it.
Son bite, c'est cool. Tu sors l'épée de ton fourreau et fais bah. C'est ça. Faut pas la sortir trop vite parce que sinon elle se décompose. Cerveau. Brains. Brains. Ça doit être assez stressant d'avoir une épée qui te hurle cerveau à la tête. Il vaut mieux pas qu'elle te hurle à ta tête. Tu dois faire une sale tête justement. Bon, il reste 3 dalles, on va pouvoir finir le pont. Ah non, il va manquer une dalle. 1, 2, 3, il va manquer une dalle. Bon, c'est pas grave. Ou alors tu refais un virage pour être sûr de bien les foutre dans l'eau quand ils arrivent à pleine vitesse. Ils vont arriver, ils vont vomir sur le petit froggy. Voilà. C'est quoi votre arme principale contre les froggies? Bonjour, Vomito, ça va bien? Forcément, j'ai pas regardé l'heure à laquelle on a commencé non plus, hein, parce que sinon ça aurait été trop facile. Bon, alors, toi, deviens un Volda. Voilà, toi aussi, toi. Ah bah, c'était déjà. Alors, convert tout soldier. Bon, 2, ça va suffire pour le début. Un petit troisième quand même, allez, une petite troisième. Toi, bouge pas. Ah, convertir en soldat. Oh, il retire la boue de sa chambre. Ah, oh, c'est trop gentil. Ah non, il retire la boue de la chambre de sa pote. Il est gentil, quoi, il fait même pas ça pour lui. Hop, un petit pont en plus. Et là, d'un coup, tous les froggies débarquent. Non. Paf, plus de vitoyens, obligé de recommencer une nouvelle saison. Ou alors tu prends les froggies comme vitoyens. Je sais pas s'ils vont payer. Ils vont payer un peu moins bien, j'imagine. Ah oui. Et puis vu qu'avec cette saison, j'ai quand même envie d'aller jusqu'à l'épisode 99, juste pour pouvoir dire, je peux plus. Ah bah y'a plus de cailloux, donc il va falloir du caillou si on veut continuer. Ah, ou alors ils vont peut-être ranger dans des barils déjà. Parce que c'est bien connu que le caillou ça va vachement bien dans les barils. Ah bah oui, 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 tout à fait. Bon, toi deviens un soldat si tu n'es pas déjà un soldat, si tu arrives à t'attraper. Sinon t'as la touche pause aussi, ça peut être pratique. Ouais, mais non. Ah, c'est pour les faibles. C'est ça. Moi je joue en Game Speed 3 et c'est tout. Et la pause uniquement quand je commence, parce que j'ai mis le jeu à commencer automatiquement en pause. C'est plus facile pour faire l'intro et déposer la baby après. Ah bah lui, il a miné un demi-caillou et maintenant il a faim. Il va aller chercher une tarte aux pommes. Trop dur sa vie. Alors, je vais lui demander de récolter un peu plus de pommes. Ah bah non, il y a toujours 5 pommes, donc on va créer un tout petit peu plus de tarte aux pommes, parce que la tarte aux pommes c'est cool. On va en créer 15 par chaque tour. Allez. Wouhou. On va réduire le pain à 7, parce que 7 c'est bien. On va pas mettre 15, on va mettre 13, parce que c'est des nombres premiers à chaque fois et c'est vachement moins choquant. Et oui, si vous n'avez pas fait MathsP, vous n'êtes pas bienvenu à la Véville. Ouais. Oh, je m'arrête à MathsUp, je suis gentil. Sympa. Si vous n'avez pas un doctorat ou vous n'êtes pas en train de préparer un doctorat, partez. Non mais vous pouvez quand même rester et mettre une appréciation. Mais... Ici, il n'y a que les commentateurs qui ne peuvent avoir aucun niveau. Si vous aussi vous avez un doctorat en physique thermonucléaire, venez commenter avec moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Aïe. Ah bah je crois qu'on a plein de blé parce que là il récolte plus de blé. Il va pourrir sur pied. On va voir les charançons directement dans le blé. C'est bien, on a plein de bouffe là. C'est ici. Ouais, on attention, t'en vende pas trop parce que si le jeu entend ça, oui, il va te manger une famine vite fait là. On va avoir un tout petit problème technique très rapidement. Ce serait bien qu'on ait des immigrants parce que là ça fait quand même un mois qu'on a commencé, on en a toujours pas. Et je sens qu'il y a un siège qui va pas tarder à arriver. Ça, il y a des chances, oui. Allez, hop, encore un soldat de plus. Alors, comment fais-tu les sièges? Utilises-tu la technique classique, j'envoie mes soldats se faire tuer, puis éventuellement détruire les mobs, ou... à coup de lave? J'envoie mes soldats se faire tuer et après je vois ce que ça donne. Ah bon, sinon la lave c'est bien. Ouais, mais on a plein de vaches, bon... Je pense qu'il est temps de faire une boucherie. On va la placer ici. Allez. Allez, lower terrain. Allez.
Alors ça, c'est la partie très intéressante du jeu. Ça, c'est la partie de Tanzu qu'on adore. Surtout qu'on comprend pas toujours, en fait, comment ça marche. Des fois, ça marche d'un côté, mais pas de l'autre. C'est exactement ça. Voilà. C'est toujours tellement sympathique. Et après, il y en a qui s'étonnent que j'ai aplani tout le terrain. Que je refuse le relief dans mes villes. Ah oui, il faut d'abord que je... Ah, voilà. Et ouais, il faut faire ça par étapes. C'est un tout petit peu énervant, ça prend à peine 20 minutes. S'il y a bien un truc qui serait pratique, c'est une outil de sélection de zone de terrain dans le jeu. Oh oui. Ça va peut-être arriver dans la 0.58. Non, on est... oui, si on est en 0.45, donc c'est possible que ça arrive vraiment plus loin. Donc Dining Room, on a déjà ça, on a déjà ça, on a ça, on a ça, on a Forge, non, il n'y a pas de fer toujours. Atelier Arena. Kitchen. Non. La gauche. Droite. La gauche. L'autre gauche. Ouais, t'as des immigrants. Ouais, on en a deux, super. Au boulot, esclave. C'est un peu ça. Ah bah ça y est, ils vont, mes soldats vont pouvoir aller péter le pif des Froggies dans pas très longtemps aussi. Parce que le petit pont avec le petit virage, les petits faits. Donc alors, boucherie, c'est dans quoi? Ta-ta-ta-ta. Utilities. Alors, butcher table, non. Butcher table. 1, 2, 3. Parce que 3, c'est un nombre. C'est mieux. C'est un nombre premier, eh oui. Aujourd'hui, on fait un cours de maths dans la ville. Il faut que du bois, donc ça, normalement, j'en ai toujours 15 en stock. Et on va demander d'avoir... Alors... Du steak, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas... Nien. Ah bah oui, bah il faut une butcher table. On m'a demandé toujours d'en avoir 4. Ouais, 4, parce que c'est pas un nombre premier, mais c'est bien aussi. T'as pas peur que ça fasse 2-3 avec les charançons? On sait jamais. On va faire de la meat pie. Yeah! On va réduire encore le pain. Non. Ouais, voilà, comme ça. Et voilà, il commence déjà. Et il pose ça des vaches sur l'herbe. Parce que les normes d'hygiène, tout ça, on sait bien que ça sert à rien de mettre ça dans un frigo. Non, 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 ils sont résistants, les vitoyens. Oui, il n'y a pas de microbes, ils ont plus de parois intestinales. C'est fini, quoi. Ça fait bien longtemps qu'ils en ont plus. Bon, par contre, soit ils ont été très vite à ravager tous les Toadies et les Froggies, soit... Ils ont toujours ouais, pas c'est été. Vrai, c'est vrai qu'il y en a plus. C'est ça, je les vois plus. Ils ont fui devant la toute-puissance de mes vitoyens. Ah, il en reste un. Je le vois pas. À gauche. Voilà, cette gauche-là, ouais. Ah bah encore ici, à gauche. Là, ici, là, là. Ah bah, il y en a d'autres, alors. Bon, ça va. Bon, ça, c'est bon. Ouais. Y en a ça devrait un, se faire. Il y en a un ici, il y en a un là. Mais t'es pas une soldate, toi, espèce d'idiote. Ah... Bon bah je vais faire un hôpital quoi. Opération blasée. Je fais des soldats et ceux qui vont taper les Froggies, c'est les pas soldats. C'est quand ah même. Ouais, ce serait trop facile sinon. Hop, voilà. Avec deux entrées pour l'hôpital. Parce que deux, c'est mieux. Voilà, tout à fait. Et nous remercions Simon et Fendrel de creuser le début de l'hôpital. Alors lui il est très intelligent. Mais que le début. Il creuse d'un côté, il fait le tour, il creuse un bloc à côté parce que sinon, je sais pas, ça a dû choquer son sens de la symétrie. La productivité est une chose très absente de Downs. C'est bien connu que la productivité est un concept absurde. Dit le spécialiste du génie industriel. Tiens, du gravier. Oh, du flint, super, on va pouvoir faire des briquets. Ah oui, il faut que je fasse. Le feu au froggy. Alors, on va coller un lit ici, un lit là, un lit ici, un lit là. Et des boîtes à pharmacie. Comme ça, j'aurai l'air moins idiot que dans la précédente V-Ville où j'ai mis à peu près 5 épisodes à me rendre compte qu'il manquait un truc dans mon hôpital.
Vous voyez que j'ai fait quand même tous les menus avant de le trouver, hein, parce que... Hop, voilà. Bon, je ça, sais pas s'il faut c'est fait. Je sais pas combien il faut que j'en mette ni rien, donc j'ai mis 4 lits, 4 boîtes à pharmacie. Ouais, voilà. Ils s'arrangeront. Ils s'arrangeront entre eux, Ouais. Ils partageront les aiguilles. C'est ça. Toi aussi, partage ton aiguille. Hop, le petit pont ridicule. Je devrais faire une autoroute dessus. Où est-ce qu'ils en sont dans la nourriture? Ah, super. Ah, une meat pie, trop cool. Ah bah ils ont recommencé à utiliser la stockpile ici. Ah bah je vais réallumer ce moulin que j'avais éteint parce qu'il y avait trop de trucs. Là il y a plein de pommes partout. Ça a filé vite la farine. Ouais. Ouais. Finalement, on a toujours l'impression qu'on en a trop et d'un coup c'est la famine. D'un coup comme ça sans prévenir, c'est la famine. Bon moi je pense que tu vas pas manquer de vaches. Non, normalement ça devrait être bon. Ah bah en fait il y a du dungeon wall ici. Il y a quelque chose. Donc je peux les percer comme ça. On va percer en coin. C'est ici, oui, c'est ici. Voilà. À chaque fois, j'ai toujours du mal à essayer de me rappeler comment on fait pour percer. Comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois, je rate à moitié. Par contre, il va te manquer une échelle, je pense. C'est tout à fait probable, effectivement. C'est vrai que ça n'aide pas de les... Sans toi, ça aurait mis très longtemps à être percé. Mais vraiment très longtemps. Parce que tu crois que tes vitoyens te le diraient? Non, non, ils vont attendre juste au-dessus du trou. Ah bah c'est zut, il n'y a pas d'échelle. Ils vont mourir de faim au-dessus du trou et... Non, c'est bon, ils meurent plus de faim quand ils ont un ordre qui est plus atteignable. C'est pas plus mal ça, parce que sinon des fois c'était assez épique. Et là, on remercie quelqu'un, Clifton, d'amener l'échelle pour descendre dans le petit trou. Allez, hop, 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 on se dépêche. Ouais. Merci Clifton. Ah, bon, super. Puis vu que ça on doit va faire casser son peuple. Ouais, vu que ça fait à peu près 10 minutes, on va arrêter et on se reprendra demain. Tout à fait. Voilà, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée à tous.